monsieur. Bonjour monsieur. Je m'appelle Abdul. Je m'appelle Michel. Enchanté. Est-ce que vous pouvez me dire comment s'appelle votre boutique? Ma boutique, c'est Les Clés du Paradis, une boutique de serrurerie reproduction. Je trouve que c'est un joli nom, mais pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Place Saint-Pierre, donc Saint-Pierre avec l'église, et Saint-Pierre, c'est le patron des serruriers. Donc voilà pourquoi la serrurerie a été baptisée Les Clés du Paradis. Hein, parce que Saint-Pierre tient la clé dans sa main, celle qui ouvre les portes du paradis. Donc voilà. Et voilà Saint-Pierre qui est avec moi, qui me surveille. Pour pas que je fasse de bêtises. J'aimerais savoir depuis combien de temps vous travaillez sur cette place. Ben, ça va faire 12 ans à la fin de l'année, déjà. Comment avez-vous trouvé l'emplacement? Sur un petit journal, j'avais envie de travailler pour moi. Et comme j'ai un métier, une formation de chaudronnier serrurier, je me suis lancé. Et je voulais savoir, vous avez combien des clés? Combien de références de clés? Oui. Je vais dire, je ne sais pas, 5000 peut-être? 5000? Peut-être plus même. Peut-être plus. Et oui. Vous pouvez retenir toutes ces clés différentes? Non, non, pas tout. Mais 80%? C'est déjà pas mal. C'est lui. Dites-moi, Michel, la clé à la base, elle est comment avant que vous la travailliez? Pour faire ça, je prends cette clé-là. Oui. Voilà, et puis je la monte sur la machine, travaille de différentes manières pour arriver à ça. D'accord. Voilà. Mais par contre, celle-là, elle est très ancienne. Elle est un petit peu ancienne, celle-là, oui. Un petit peu. Et c'est vous ce qu'il avait fait? Ah non, bah non, non, parce que celui qui l'a fait, il a plus mal aux dents. D'accord. Il y a longtemps. D'accord. Mais il vous faut combien de temps pour réaliser une clé là, comme ça? 2h30. Vous me dites, il vous faut 2h30 pour faire une clé. Oui. Si 2h30 pour faire une clé, donc dans la journée, vous pourrez faire 4 clés. Je pourrais faire 4 clés comme ça, oui. Mais est-ce que vous arrivez à vivre de votre métier? Oui, bien sûr. On ne devient pas riche, hein, on est artisan, hein. Mais on vit. Oui. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de clients? Un petit peu. Beaucoup de demandes? Un petit peu, oui. D'accord. Mais toutes les clés n'ont pas le même prix? Ah, mais non, il n'y en a aucune qui a le même prix. Aucune. Et voilà, une clé qui a 2h30 de travail vaut beaucoup plus cher qu'une clé qu'il faut 3 minutes pour la faire. Ou 1 minute. D'accord. Une clé minute, je ne sais pas, ça veut dire quoi une clé minute? Une clé minute, c'est une clé toute simple qu'on fait dans la minute. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je vais faire mon clé. Les deux clés. Ouais, et ça fait combien? 13 euros monsieur. Ok. Bon d'accord, vous tirez vos réalités. Salam alaikum. Est-ce que tu sais c'est quoi serrurier, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi serrurier? C'est ça, c'est moi. Ah, c'est toi? C'est moi. Oui, bien sûr, je me reviens être serrurier parce que dans 1 minute, 13 euros. Hein? C'est pas mal, hein? Bon, il y en avait pas mal. Il y en avait quelques-unes, monsieur. Allez, voilà. Allez. Ce sont toutes les maisons c'est toutes les clés de la maison de l'île d'Orléans. Eh bien, vous avez des et cours. Comme j'ai confiance dans la maison ici, ouais. Je préfère les faire faire une loge qu'à l'île d'Orléans. Eh bien, je vous donne une petite poche. Voilà. Merci, monsieur. Eh bien, je vous remercie. Attendez, vous allez voir. Voilà. Attendez. Et puis, alors, je vous amènerai les clés que j'ai oubliées. Ben vous repassez. Je repasse. Hein. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Comment avez-vous connu ce métier? Comment j'ai connu ce métier? Il y a bien longtemps. Je
crois que c'est lors d'une reconversion professionnelle. Je crois bien, je ne sais plus. Parce que... Et je l'ai appris, je l'ai laissé. J'ai appris le métier, serrurier, chandonnier. Mm-hmm. Et je ne l'ai pas pratiqué. J'y suis revenu sur le tard, ici. Où l'avez-vous appris ? Oh, avec un personnage qui était meilleur, deux fois meilleur ouvrier de France, à Limoges. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes un habitué ? Non, pas du tout, c'est la première fois que je viens ici. Ah, mais comment vous avez trouvé cet endroit ? Eh bien, en allant chez un cordonnier qui pouvait pas réparer mes clés. Enfin, réparer mes clés. Il pouvait pas me les échanger. Donc, je suis venu ici parce qu'apparemment, c'est le spécialiste. Qui fait traîner le travail quand on lui confie un travail à faire, est-ce qu'il est rapide ? Eh bien écoutez, là moi ça fait 5 minutes que je suis arrivé, j'ai bien l'impression que c'est presque terminé. À moitié. À moitié. À moitié. Donc on peut dire que oui. Que faisiez-vous avant ? Avant de faire le métier ? Oui. Technicien dans une grosse entreprise qui fait du contrôle en général. Contrôle technique, automobile, contrôle dans l'habitation. J'étais au service généraux, donc je m'occupais déjà des serrures, des portes et de tout l'entretien de tous les bâtiments. Allez, voilà. Vous l'essayez ? Elle rentre bien ? Non, même pas. Eh bien, elle rentrait. Ouais. Elle rentrait, mais on avait voulu la basculer. Ouais, elle ne m'utilisait pas, parce que... Bon. Je vais la rentrer. Ah bah, eh bien, merci beaucoup. Ah ouais, d'accord. Et ça veut dire la commander, celle-ci, il faut que je l'envoie. Ah oui. Donc celle-là, il faut l'envoyer faire. Mais c'est possible. C'est possible. Et ça vous coûterait combien à peu près ? Il n'y a pas d'à peu près. Parce que je ne suis pas pressée, hein. Oh ben voilà. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Ça a une fortune. Oui. Voilà. 69 euros. Ah oui, d'accord. Bon. Mais c'est possible. D'accord. Bon, je vais dire à mon mari. On va voir. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Non, non, c'est. Ah, d'accord. C'est à vous. Alors, au revoir, merci. Faire souffler un bouquet, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous préférez ? Faire les clés ou la relation avec les clients ? Ah, j'aime bien faire les clés, faire la réparation, j'aime bien. Mais la relation avec le client, ça apporte beaucoup de choses de connaître du monde et de parler avec eux. Merci madame. Ok. Vous savez, j'ai fait déjà deux cordonniers et il me fait deux fois les clés. Oui, mais vous n'êtes pas chez un cordonnier. Je sais. Il y a trois personnes qui m'ont envoyé chez vous. Vous avez une très bonne réputation. Yep. C'est vrai, hein ? Merci, c'est gentil. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien ? Ça va, et vous ? Bien. Je voudrais deux trousseaux, des clés qui sont marquées en rouge, deux de celles-là, deux de celles-ci. Ça fait combien de temps que vous venez ici ? Oh, il m'est difficile de donner une date précise, mais on fait déjà depuis plusieurs années. Est-ce que vous êtes satisfait ? Tout à fait. Est-ce que vous savez, monsieur Santin, je vais bientôt prendre sa retraite ? Oui, je le sais. Qu'est-ce que ça vous fait ? Eh bien, écoutez, on le regrettera, on serait toujours content de le voir, parce que c'était un homme charmant, qui recevrait bien ses clients et qui faisait bien son travail. Et voici. Et merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous nous avez dit qu'il vous restait 30 jours à travailler. Avez-vous trouvé un repreneur ? Eh oui. Il y a quelque temps de ça, il y a Nicolas qui va me remplacer pour un 8 sur 8 ans, plein de belles choses. Michel, vous plaît, vous pouvez un peu sourire. Comment avez-vous connu Nicolas ? Nicolas, on s'est connu, il était déjà artisan, il était sur les marchés, on se voyait. On s'était peut-être un petit connu, je croyais que c'était à l'école du rugby, mais ça devait être plus tard au niveau du rugby. Et puis un jour, il est rentré là pour me faire...
faire du travail, des clés. Et il m'a dit que son travail commençait à l'ennuyer et puis qu'il voulait changer. Et moi, j'étais en période de trouver un repreneur. Clé à gorge, clé à taille frontale, clé à double panton. Ouais, tu les mets là, pof, pof. Voilà, c'est bizarre, décalé, mais... Décalé, c'est pour faire l'aile ici. Voilà. Ok. Pensez-vous que le métier va changer au fil des années? Oui, il va évoluer, bien sûr. Bien sûr, il va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de technologie, ça c'est certain. Bon, ben on va tailler une clé sur la Futura. Hein. Ça me donne la clé, la référence de la clé. Là, je cherche la fiche et ça va me donner la forme des dents que je vais demander. Et maintenant, on va tester si la clé fonctionne. Ben oui, la Futura était bien programmée. Ah, c'est votre fils que j'ai vu l'autre? Non, c'est mon fils. C'est le successeur. Ouais. Mm-hmm. Ah bah super. Oui, bien sûr, ouais, c'est bien. Monsieur, dites-moi comment vous connaissez cet endroit? Eh bien, je viens faire mes clés. Donc vous êtes un habitué? Oui, je viens plusieurs fois, ouais. Mais comment vous connaissez Michel? Ah, je ne savais pas qu'il s'appelait Michel. D'accord, c'est lui qui tient la boutique. D'accord, ben c'est vous qui me l'apprenez. Vous savez qu'il part bientôt à la retraite? Oui, je l'ai deviné l'autre jour en venant parce qu'il y avait un apprenti, il était en train de lui montrer le métier, donc je me suis douté qu'il allait prendre sa retraite. Est-ce que vous savez que c'est aussi un affûteur? Oui, ça je sais parce que ça fait longtemps que je dois lui amener des couteaux. Il fabrique aussi des serrures, il fabrique des clés pour les voitures, vous saviez? Non, les clés pour les voitures, je ne savais pas, non. Dites-moi, est-ce que vous aurez aimé être serrurier? À serrurier, d'une certaine manière, je suis un peu serrurier. Dites-moi. Mais je suis professeur de philosophie. Et donc, je suis face à des portes fermées, par exemple les livres des philosophes. J'essaye de les ouvrir et après, je fais rentrer d'autres personnes avec moi, c'est-à-dire les élèves. C'est une sorte de serrurier de l'esprit. Dites-moi, quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour être serrurier? Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je me garderai bien de le dire parce que souvent on m'explique mon métier, les gens qui ne connaissent pas mon métier me disent « Ah, pour être professeur de philosophie, il faut faire ci, il faut faire là », ça a le don de m'agacer. Donc j'attendrai que le serrurier me l'explique. Avoir une mémoire d'éléphant. Un beau visuel. Très bricoleur. Il faut être malin, il faut être... puis voilà, il faut être débrouillard. Des cadenas d'entrée de gamme. Un cadenas un peu plus compliqué. Quand on passe la clé, il y a une petite rondelle là qui empêche d'aller tirer le mécanisme là. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Allez-vous changer le nom de la boutique? Surtout pas. Non, c'est ce qui fait sa réputation. Okay. Les clés du paradis, c'est Place Saint-Pierre à Limoges, c'est quand même connu. Donc on ne peut pas se permettre de changer ce qui a été fait depuis, très bien fait depuis beaucoup d'années. Clé du paradis, bonjour.